Salut Jim. Bonjour Monsieur Watkins. Elle bouge pas, Yankee. Lincoln est réélu. Il gagne avec une majorité importante de voix. Des bruits courent à propos d'une arme secrète. L'état-major refuse tout détail. Dans les cercles militaires, il est question de cette nouvelle arme qui révolutionnera l'infanterie. Obligé de jouer les bonnes d'enfants pour garder une mitrailleuse. Drôle de façon de faire la guerre. Inutile de crier sur les toits ce que nous transportons, sergent. Excusez-moi. Vous en avez un pour moi? Merci. Il faudrait prolonger votre permission pour pouvoir assister aux essais à l'arsenal. Bon, ce serait une perte de temps. C'est le rêve d'un homme dément. Aucune arme ne peut tirer 200 coups à la minute. 250. Et cette invention est loin d'être l'œuvre d'un fou. Non, je crois au contraire que ça marchera. Cette nouvelle arme sera très efficace dans les futures guerres. Ou même dans celle-ci, si jamais les sudistes s'en emparent. Tout est prêt? Tout est prêt, il faut que ça aille l'air prêt. Wow! 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 Merci. Tourne dans le fourgon au bagage, jetez un coup d'œil. Hey!
Rien à signaler, mon capitaine. Bien. Pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on the way. Tapioca, tapioca. Cette chanson, c'est le code secret. Donne-leur ça. S'il vous plaît, Monsieur Thompson. Merci, Monsieur Faraday. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a personne dans cette aimable assemblée. Il n'y a personne dans tout cet état. Et j'irai même plus loin, il n'y a personne dans tout l'univers qui ose se regarder en face dans un miroir le matin en se levant et qui puisse se dire... Prochaine étape, Cairo. Je suis aussi frais et rose que le jour où Dieu m'a créé. Je répète, personne ne peut dire ça, mais vous pourrez, si vous le voulez, le dire à l'avenir. Alors, mesdames et messieurs, voulez-vous m'accorder quelques instants d'attention afin que je puisse vous présenter mon estimé collègue de Boston, Massachusetts, monsieur Jim Faraday. Je vous remercie, monsieur Thompson. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il y a de plus désirable sur Terre? Ce n'est ni l'argent ni le luxe. Le bien le plus précieux, c'est la santé physique. C'est se sentir en pleine forme chaque jour. Tapioca, tapioca. All she ever learned to cook was tapioca. For my dinner, for my supper. Tapioca I ate till I couldn't see straight. Oh, working on the railroad, 20 cents a day. Johnny, pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on the way. Tapioca, 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 they seem to say. Et maintenant, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Voici la potion miraculeuse du docteur Sunderland. Il n'est pas armé. Et qu'est-ce que c'est, alors? Une femme. Et très belle. Eh bien, laissez-moi voir. Allez, laissez-moi regarder. Oh, ouais. C'est une Yankee. Oui, nous aussi. Pour le moment. Vous êtes utile à quelque chose? Merci. Est-ce que vous nous emmèneriez à Baxter Springs? Nous? Ma malade et moi. Mais lui, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est inquiet pour le Coas et sa femme. Il est peut-être inquiet, mais c'est à distance. C'est qu'il ne peut guère faire autrement. Vous savez que les sudistes poussent les Indiens à se battre contre nous.
Notre armée pendrait un Indien qui traverserait la rivière. Commençons par déménager vos affaires. Merci. C'est un hôpital, ce n'est qu'une pièce dans notre maison. Mais j'ai voulu quand même continuer jusqu'au retour de mon père. Quand doit-il revenir? Le jour où ces maudits insurgés se rendront. Père est dans l'armée. Pour une infirmière et une bonne samaritaine, vous n'avez pas beaucoup d'indulgence, il me semble, pour les insurgés. Nous sommes en guerre depuis 4 ans. C'est assez long pour apprendre à les détester, vous ne croyez pas? Bien assez, en effet. Voulez-vous une couverture? Vos vêtements sont encore trempés. Ah non, merci, l'air va me sécher. Vous ne faites pas un détour à cause de moi. J'aurais aimé que ce soit le cas. J'aurais eu l'impression de rendre un vrai service. C'est gentil, de toute façon. Il y a presque un jour de route jusqu'à Baxter Springs. Bien. Vous y resterez longtemps? J'espère. C'est une jolie petite ville, elle vous plaira. Oh, mais ça, j'en suis sûr. J'ai été prévenue de me méfier des commerçants ambulants. Prévenue par qui? D'autres commerçants ambulants. Quand un homme voit une belle fille, il doit le lui dire. Vous en voyez beaucoup au cours de vos voyages? Des jolies filles? La plupart du temps, je ne vois que Benji. C'est un bon compagnon, mais pas spécialement joli. Oh, mon Dieu! Oh, pardon. Mais peut-être que vous aimeriez aller derrière, vous reposer un peu. On a un long chemin à faire. Oh, non, merci, ça va. Ah, je suis bien. On aura d'autres chaos, c'est probable. C'est probable, oui. On va mettre vos affaires à l'intérieur. Merci. Qu'est-ce qu'on fait du chariot ambulance? Oh, je verrai quelqu'un le chercher. Jamais j'aurais cru voir ça un jour. Quoi? Vous avec une fille Yankee. C'est terrible. Une chose pareille pourrait déclencher une guerre. Donnez-moi ça, Luca. Posez ça ici, s'il vous plaît. Jim, vous voulez aller chercher le reste des affaires dans le chariot pendant que j'aide à ranger celle-ci? Bien sûr. Où je mets tout ça, mademoiselle? Je les mettrai à l'endroit que vous voudrez bien me montrer. Oh, s'il vous plaît, mettez-les sur la banquette. C'est vraiment très gentil de m'aider de cette façon. Non, c'est rien. Mais si, c'est gentil. C'est mon père. Oh. Eh oui, il faut tout pour faire un monde. Je vous demande pardon. Il y a des choses curieuses. Votre père est fier de porter son uniforme, bien sûr. Et au contraire, d'autres hommes, tels que Jim Faraday, n'ont jamais voulu en porter un seul. Comment? Il n'a jamais été à l'armée? Mais s'il est jeune et... il est certainement en bonne santé. Ah oui, c'est un beau gars robuste. Oh, c'est pour raisons religieuses, alors? Non, non, mais non. Il est antimilitariste pour des raisons strictement personnelles. Il déteste la guerre parce qu'il dit qu'il n'a pas envie d'être blessé ou peut-être même tué. Est-ce que c'est vrai? Oui, ce sont mes sentiments, Nora. Je peux me débrouiller seule maintenant, merci. Notre rencontre est une coïncidence formidable. Parce qu'on est dans la même partie, vous en qualité d'infirmière et nous avec la vente de cette potion magique. Oui. Formidable. Benji. Thank you.
remedies hit the spot. And if what you've got is chronic, there's nothing like his tonic. 'Cause it fills you up and it cures your ills. One bottle's worth a million pills. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Je vous apporte la plus grande chance de votre vie. Approchez, approchez plus près. Avant et après. S'il vous plaît, monsieur Thompson. Oui, monsieur Faraday. Tapioca, tapioca, tapioca I ate till I couldn't see straight. Oh, working on the railroad, 20 cents a day. Johnny, pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on their way. Tapioca, 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 they seem to say. Approchez, mesdames et messieurs, et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a personne dans cette aimable assemblée, il n'y a personne dans tout cet état, et j'irai même plus loin, il n'y a personne dans tout l'univers qui ose se regarder en face dans un miroir le matin en se levant et qui puisse se dire « Je suis aussi frais et rose que le jour où Dieu m'a créé ». Je répète, personne ne peut dire ça. Mais vous pourrez, si vous le voulez, le dire à l'avenir grâce à la potion miraculeuse du docteur Sunderland. Vous retrouverez vos muscles de 20 ans, la force et la joie de vivre. Ce remède du bon docteur Sunderland, je vous le propose aujourd'hui. Le seul, le vrai remontant qui soit bénéfique aux humains. Et ce remède unique et miraculeux ne coûte que 75 cents la bouteille. Achetez-en plusieurs, car nous ne reviendrons pas ici avant l'année prochaine. Très bien, madame Obedeux. Cernez la maison. Cette porte. Ne tirez pas! Bande d'imbéciles, je vous ai dit qu'on le voulait vivant. Et qu'est-ce que nous devions faire? Obéir aux ordres! Et vous laisser mourir en héros et mes hommes aussi. À votre avis, c'était préférable? Oui, car cette mort risque de nous coûter des milliers de vies, peut-être même de nous faire perdre la guerre. Notre chariot est là, dehors. Si vous le voulez, on vous emmènera jusqu'à l'hôpital. Merci, dans une minute. Après avoir enlevé le cadavre, je veux que ce magasin soit fermé et gardé. Je reviendrai le fouiller de fond en comble. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Aidez-moi, Jenkins. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Kelso. Non, en effet. Je ne suis pas obligé d'obéir à vos ordres. Je suis le shérif ici, et ce n'est pas un territoire fédéral. Allons-y, Jenkins, avant que le shérif décide de passer outre aux décisions gouvernementales. Dites, docteur, est-ce que ce truc est aussi efficace que vous le prétendez? Mieux que ça. Potion musclée. Dès la fin de la guerre, vous devriez aller dans le sud, parce que les insurgés auront besoin de prendre des forces quand on en aura fini avec eux. Vous savez aussi bien que moi que le shérif peut nous empêcher de fouiller ce magasin? Non, pas nous. Je le fouillerai tout seul. C'est ça, tout seul. Alors il vous en empêchera. Non, pas avec un mandat de perquisition. Pourquoi lui chercher querelle? Pourquoi ne pas lui dire ce que vous cherchez? Bien sûr, disons-le lui, disons-le à tout le monde. Excusez-moi, mon lieutenant. C'est 75 cents. Oh, vous pourriez m'en offrir une petite bouteille. Non, c'est le prix. 75 cents? Vous n'êtes donc pas patriote? Depuis 3 ans que je tue des insurgés pour des types comme vous. J'ai dit 75 cents, c'est le prix. D'accord, d'accord. Non. Jenkins, aidez monsieur Kelso, s'il vous plaît. Oui, mon lieutenant. Alors, dommage. Ça coûte cher. Dépêchez-vous, Jenkins. Oui, mon lieutenant. Dès que j'ai vu que cet homme avait été blessé, j'ai pensé à l'amener ici, afin de faire marcher votre entreprise. Ce n'est pas dans ce but que je travaille, monsieur Faraday.
Apportez l'autre bouilloire. S'il vous plaît, mademoiselle Curtis. Ah, merci beaucoup. Cela va vous brûler un petit peu. Tenez ça. Une minute et appuyez fort. Merci. J'ai vu la photo de votre père dans le salon. Où est sa garnison? Pour le moment, il accompagne le général Sherman à travers la Géorgie. Ah, c'est là où j'aurais aimé être avec Sherman ou Sheridan. Là, il y a de l'action. Ici, dans ce trou, on sait à peine où en est la guerre. Les voyageurs sont beaucoup plus au courant. Par exemple, vous, monsieur, avez-vous des nouvelles de la guerre? Non, je n'écoute pas ce qu'on dit. Monsieur Faraday est un objecteur de conscience. Non, pas de conscience, juste objecteur. Vous n'avez donc jamais été recruté? Si, chez moi, à Boston. Boston? Est-ce que c'est si extraordinaire? Oh non, bien sûr. Et si vous avez été recruté, pourquoi vous n'êtes pas à l'armée? Eh bien, je le suis, d'une certaine manière. J'ai engagé un remplaçant pour $300. Un brave type. Et l'on m'a dit que je pourrais peut-être même devenir un vrai héros. Par personne interposée, bien sûr. Oh. Je voudrais les faire disparaître tous de la surface de la Terre. Il faut sacrifier le plaisir au devoir. Ne cherchons pas d'ennui. Mais... Voyons un peu ce qu'il a dans le ventre, ce dandy. Un couteau, monsieur le dandy. Toi et moi, jusqu'au finish. C'est pas le moment de rester là. Espèce de lâche! C'est pourquoi il n'est pas en uniforme, c'est un lâche. Tu n'as pas l'air si fier, maintenant. Mais c'est le moi, Jim, je m'en occupe. Non, pas. C'est moi, l'invité. Tiens-toi prêt, le civil. Vas-y, Jenkins, on mise sur toi. Il faut que j'arrête ce massacre. Non. Voyons avant tout si cet objecteur de conscience offre l'autre joue. Mais Jenkins est un dur, le plus bagarreur de ma compagnie. Il va faire de la chair à pâté de ce tir au flanc. N'en soyez pas si sûr, lieutenant. Monsieur, il fallait l'achever. Les rues auraient été moins dangereuses pour vous pendant la nuit. Qu'est-ce que vous racontez? Mes hommes sont honnêtes. Et vous avez ma parole qu'il n'y aura plus de bagarre désormais. Emmenez vos hommes hors de cette ville avant qu'ils ne prennent tous une sérieuse raclée. Par vous? Lieutenant, ne jouez pas aux petits soldats avec moi. Je vous trouverai de quoi vous changer. Oh, merci. J'ai ce qu'il me faut. Quand vous serez rhabillé, je vous offre un verre. Une autre fois, peut-être. Merci. Mademoiselle Curtis. Oui, monsieur Calzo. Que savez-vous à propos de James Faraday? Mais rien du tout. Nous nous sommes rencontrés par hasard au moment de mon accident de chariot. De quelle direction venait-il exactement? Eh bien, cela aurait pu être peut-être de l'est ou du nord-est. Pourquoi? La curiosité. Pour un homme qui dépense $300 pour ne pas aller se battre, il... Enfin. Le général Sheridan vient de remporter une victoire éclatante en Virginie du Nord. Je
parie que les insurgés ne courent pas plus vite que ce soldat que vous avez corrigé. Monsieur. Oui, monsieur. James Faraday vient d'envoyer un télégramme, je veux le voir. Je manque de produits, envoyez-moi une provision à Lawrence, James Faraday. Ce n'est qu'un message d'affaires, n'est-ce pas? Oui, envoyez-le. Et envoyez celui-ci pour moi. Monsieur. Edward Spalter, agence Pickerton, Boston, Massachusetts, envoyé d'urgence tout renseignement sur James Faraday, prétend être de Boston, blond, 1m90. C'est vous, Jim? Non, c'est le lieutenant Braden. Je regrette, messieurs, nous ne vendons aucune marchandise après le coucher du soleil. Nous n'achetons pas, nous cherchons. Avec un mandat de perquisition. Restez tranquille, petit père. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre commerce est tout ce qu'il y a de légal. Ça vous coûtera 75 cents pour chaque bouteille pleine cassée, ou bien 5 cents pour chaque bouteille vide, vous entendez? Alors, faites attention, je vous préviens. Lieutenant, regardons ce qu'il y a là-dedans. Sergent. N'y touchez pas! Est arrivé, tout comme Christophe Colomb lui-même, prêt à découvrir l'Amérique encore une fois. Et il m'a appelé petit père. Les Yankees sont vraiment mal élevés. Silence. Oh, I had a brakeman for a husband. He never made enough to buy the meat. Oh, don't have a brakeman for a husband, or this is all you'll ever get to eat. Tapioca, tapioca, all he ever could afford was tapioca. By the potful, by the carload, but it came to an end, now it was again. Oh, take me on the railroad, take me far away. Johnny, pick a tune on your banjo. Listen to the wheels go clacking on their way. Tapioca, 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 they seem to say. Excusez-moi, mademoiselle, de vous déranger, mais faisant le même métier que vous, je me permets de vous accoster. Dégagez, monsieur, je suis déjà en main, alors filez. Bon, je ne doute pas, bien sûr, qu'une artiste jolie comme vous doit avoir beaucoup d'admirateurs. Plus maintenant. Je suis officiellement fiancée, monsieur. Compliment à l'heureux élu. Mais je ne veux pas être indiscret, croyez-moi. Non, c'est parce que j'ai entendu votre chanson que je me suis permis de venir en coulisses. Et pour quelle raison? Mon partenaire et moi chantons cette même chanson pour la présentation de notre marchandise. Vous voulez peut-être que je l'enlève de mon répertoire? Non, non, pas du tout. La façon dont vous la chantez, j'estime que vous l'interprétez mieux que nous. Pendant un moment, j'ai cru que vous alliez me faire des embêtements. Non, tout au contraire. Vous pensez vraiment que je la chante bien? Très bien. Bien, peut-être que je devrais la garder. Ah, vous ne l'aviez jamais chantée? Première fois, à la suite d'une demande. Et vous vous souvenez qui vous l'a demandé? Oh, bien sûr, c'est mon fiancé. Sally, demande à Monsieur Faraday d'entrer. Voulez-vous entrer, Monsieur Faraday? Voici le verre que nous n'avons pas pris cet après-midi. Sally, va ailleurs te trouver une occupation. Assure-toi, chérie, je ne vais pas vous déranger. Je t'ai dit d'aller ailleurs, Sally. D'accord, mon chéri. D'accord, comme tu voudras. Je vais retrouver Laura. Si tu veux me voir, frappe sur le mur. Sally. Oui? Ferme la porte. Je suis l'homme que vous cherchez pour vous faire traverser les lignes nordistes. Ce sera un voyage sans problème.
Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Faraday, ne jouons pas au plus fin, c'est une perte de temps. J'ai travaillé pour votre contact, monsieur Anderson Smith, en faisant passer des chevaux à travers le territoire indien, pour vous. Vous voulez encore d'autres preuves? Je n'ai rien dit, je préfère vous écouter. Plus vous attendrez pour faire affaire avec moi, plus vous aurez des complications avec Braden et Pinkerton qui mettront des obstacles. Kelso a fait une enquête au sujet du télégramme que vous avez envoyé. Et maintenant, il en fait une autre sur vous. Je continue à vous écouter. Écoutez rapidement dans ce cas. Smith m'en a dit beaucoup sur vous. Faraday? Faraday, c'est le nom d'un type de Boston qui a été au collège avec vous. Simmons. Voilà votre vrai nom. Capitaine James Simmons, du régiment des volontaires de Géorgie. Votre frère Peter s'est fait tuer à Bull Run. Et l'homme qui vous accompagne, c'est Benjamin Guterman, sergent dans votre compagnie. Je continue? Non. Vous en savez assez pour que Benji et moi soyons pendus trois fois. À ce voyage sans problème à travers les lignes nordistes. De quelle partie du sud êtes-vous? La seule chose que vous et moi ayons en commun, c'est la perspective d'être tués si on échoue. Il n'y a pour moi que la question argent qui m'intéresse. Combien? $2000 en or. C'est ce que Smith m'a promis, et comptant, bien entendu. Benji! Donnez-lui $300 en or. Le prix, c'est 2000. 300 tout de suite et 1000 de plus quand on sera arrivé dans les lignes sudistes. C'est ça ou rien. Vous n'arriverez pas à traverser le territoire des Indiens sans moi. Peut-être pas, mais nous pouvons quand même essayer. C'est entendu. C'est inouï comme notre argent s'envole rapidement. Il a perdu sans arrêt. Plus vite il aura perdu, plus vite il fichera le camp. Si sa déveine continue, on n'aura pas à attendre bien longtemps. Une paire d'as. Regardez-le. Il a les manières d'un porc. Tiens, voilà Christophe Colomb maintenant. Et le shérif? S'il vous plaît! Oui. Est-ce que vous allez nous chanter, shérif? S'il vous plaît, attention, s'il vous plaît, messieurs! Et nous, on reprendra en cœur. Attendez une minute! J'ai une chose importante à vous dire, messieurs. On nous a demandé de coopérer avec l'armée. Et à partir de cet instant, tout véhicule quittant Baxter Springs sera obligatoirement fouillé par mes hommes et ceux de la troupe. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous cherchez? Quand on l'aura trouvé, on vous le dira. Ça arrange tout. Il faut se dépêcher de filer. Vous croyez arriver à arranger les choses chez Nora? Laissez-moi faire. Bon, moi je surveille Manning. Mademoiselle, auriez-vous quelque chose pour une intoxication qui est sûrement alimentaire? Il est très tard. Quelque chose pour me soulager, je vous en prie. Entrez. Vous êtes très gentille. Mais c'est que je dois partir très tôt demain matin avec ma malade. Ah oui, je comprends. Ça fait rien, je me débrouillerai seule. Mais non, c'est ridicule. Entrez, voyons, entrez. Asseyez-vous un instant, ici, là. Merci. Je vais dans l'armoire à pharmacie voir ce qu'il y a. Je vais vous faire un lavage d'estomac et vous serez mieux immédiatement. Non, non, oh, ça, jamais. Ça ne marche pas sur moi. Mais voyons, il ne faut pas avoir peur, ça ne fait pas mal du tout. Oh, c'est pas que j'ai peur de souffrir, mais un docteur à Boston et un autre à New York ont essayé ce système. Ni l'un ni l'autre n'a obtenu de bons résultats. Ils ont dû employer un remède différent.
Ils ont dit que j'avais un type très spécial d'estomac. Oh, vraiment? Oui, paraît-il, c'est une malformation du tube digestif. Est-ce que ces malaises vous arrivent souvent? Oh, 3 ou peut-être 4 fois par an. La seule chose qui me soulage, c'est du cumin en infusion. Du cumin en infusion? Oui, c'est un vieux remède allemand. Mais bien sûr, c'est un vieux remède pour l'estomac, c'est vrai. Oui. J'ai de l'eau bouillante sur le feu. Alors, restez tranquille ici pendant que je prépare l'infusion. Oh. Partenaire. Il est au saloon. L'eau va bouillir dans un moment. Vous avez déjà meilleure mine? Parce que d'être à l'intérieur d'une maison au chaud, je suis tout de suite mieux. Est-ce que Monsieur Faraday sait que vous êtes souffrant? Quand Jim joue des mises importantes aux cartes, il n'aime pas être dérangé. Curieux ami. Jim est un brave gars, il joue seulement pour oublier ses tourments. Quelle sorte de tourment? Oh, des temps d'ennui, une chose, une autre. Mais en principe, je ne dois pas en parler. Oh, c'est ça, une tisane de cumin, une vraie... Ma grand-mère, que Dieu ait son âme, disait toujours qu'une tisane de cumin guérissait tout. Est-ce que vous voulez que je vous fasse voir comment elle l'a préparée? Mais est-ce qu'il a eu des démêlés avec la police dans l'Est? Non, non, à part sa passion tant pour le jeu que pour les femmes, Jim reste toujours dans la légalité. Voilà. Voulez-vous m'apporter des tasses, s'il vous plaît? Pourquoi vous n'avez pas le droit de parler de ça? De parler de quoi? De M. Faraday et de ses tourments. Mais parce que j'ai donné ma parole d'honneur à lui et à... Enfin, j'ai donné ma parole. Une seule petite cuillerée suffit pour le goût. Ma grand-mère, que Dieu ait son âme, disait toujours une cuillerée, ni plus ni moins. Une seule. C'est probablement quelque chose de grave pour avoir donné votre parole à lui et à... À qui vous avez dit que c'était? Mais j'ai rien dit, moi. C'est justement le secret pour lequel j'ai promis le silence. Vous comprenez ma position? Naturellement. Les effets de ce cumin agissent déjà. Vous permettez que j'en prépare encore un peu plus? Parfois, il faut que je prenne plusieurs tasses pour être bien établi. Il faut encore 300 dollars. Nous avons un contrat, Manning. Nous le respecterons. Vous aurez encore 1000 dollars à la fin du voyage. Je suis prêt à partir quand vous le serez. Mais c'est pour bientôt. Je vous ferai signe. Je sais bien qui c'était l'autre personne, c'est... Une fille. J'ai promis. Benjamin, qui a pris soin de vous quand vous étiez souffrant? Monsieur Faraday ou moi? C'est vous.
Alors, on est amis? Ou on n'est pas amis? On est amis. Alors, dites-le-moi. Ce secret ne sortira pas de cette pièce. Vous avez ma parole. Votre parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Alors, vous avez raison. Une fille? Deux. C'était à Boston? Et à New York. Où encore? Chicago. Et Milwaukee. C'est pourquoi Jim veut s'en aller de Baxter Springs. Pourquoi? Il dit qu'il n'y a pas assez de filles ici. Non, rendez-le-moi, rendez-le-moi, mademoiselle, ce revolver. Non, allons, alors. De m'entraîner. Eh bien. Totalement inconsciente, l'Indienne l'a déshabillée et couchée. Quand doit-elle quitter la ville? Très tôt, demain matin. Qu'est-ce que c'est que ça? Résultat de son entraînement. Vous savez que cette fille tire mieux que n'importe quel soldat de leur armée. Par contre, elle ne sait pas tenir le coup à l'alcool. Pour juste quelques petites rasades, elle était ivre morte. En chargeant les boîtes en vitesse. Nora ne le sait pas, mais elle les transportera pour nous. Le chariot ambulance, et pourquoi j'y ai pas pensé? Vous étiez trop occupé. C'est par votre faute si elle s'est enivrée ce soir. Vous l'avez contrariée. Parce qu'elle me croit objecteur de conscience. À cause de la réputation que je vous ai faite auprès des femmes. Merci beaucoup. Ça marchera s'ils ne regardent pas trop près. Ils ont l'habitude de voir passer ce chariot. Peut-être qu'ils ne pousseront pas trop leur inspection. Et s'ils le font? Alors nous serons obligés de tirer. Mais s'il passe sans ennui, vous et Manning, vous devrez vous arrêter à la rivière du fort. Et moi, je vous rejoindrai avec notre chariot dans 24 heures à l'aube. Où je retrouve Manning? Retrouvez-le dans la remise. J'aurais préféré ne pas avoir à m'associer avec lui. On a quand même eu de la chance de le connaître. S'il arrive à faire passer les chevaux à travers les lignes, il peut bien le faire avec nous. Tenez, je préfère que ce soit vous qui preniez l'argent. Inutile de tenter un mauvais joueur de poker avec une somme pareille. Faites attention, Benji. Avec ce Manning, vous tirez d'abord et vous posez les questions après. Petit déjeuner. Voilà. Ça va vous remettre d'aplomb. Vous serez guéri. Une bouteille vaut 1 million de pilules. C'est très bon pour la gueule de bois. Oh. Mais quand êtes-vous arrivé ici? Cette nuit. Vous êtes prête pour le petit déjeuner? Café, pain et du miel, ce que vous avez commandé. J'ai... commandé? Mais oui. Est-ce que...
Benji est en bas? Comment ça, en bas? Non, il est parti quand vous lui avez dit de partir, du miel. Je lui ai dit de partir. Mais inutile qu'on reste à deux pour vous soigner toute la nuit. Quoi, mais... Crème? Du sucre? Une ou deux cuillères? Oh, ça ne va toujours pas? Ça ira très bien tout à l'heure. Voulez-vous partir, s'il vous plaît? Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous apporter une serviette humide? Et vous n'avez qu'à m'appeler si vous voulez. Oh, c'était bien la chemise de nuit que vous vouliez mettre, non? Allons, dépêchez-vous! Faites bon voyage, Nora. Qu'est-ce que vous voulez, shérif? Il y en a pour une minute, Nora. Nous avons reçu des ordres. Il faut fouiller tout véhicule qui quitte la ville. Vous feriez peut-être mieux d'empêcher pas mal d'indésirables d'arriver en ville. Et je ne veux pas que l'on mette du désordre dans mes affaires. Ne vous inquiétez pas, ils font très attention. Voilà, vous avez réveillé le bébé. Non, je suis désolé, non. Bon, laissez tomber maintenant. Mademoiselle Curtis peut s'en aller. Merci. Allez, hop. Derrière et fermez-la. Allez, ma belle. Ne mettez pas vos salpettes sur elle. Bien, mon colonel. L'ennui avec moi, c'est que je ne suis ni sudiste ni gentleman. Ça, c'est certain. Nous camperons là-bas, au bord de la rivière. Excusez-moi. Personne ne vous fera de mal. Je suis désolé que vous soyez mêlé à ça, mais nous n'avons pas le choix. Jim va nous rejoindre à l'aube et après avoir transféré ses boîtes dans notre chariot, vous pourrez reprendre votre route. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? C'est une sorte de remède musculaire. Vous êtes les hommes que Kelso recherchait. Vous n'êtes que des voleurs, des espions, vous et Jim Faraday. Dans notre contrée, la Confédération des États du Sud de l'Amérique, on nous appelle des patriotes. Mademoiselle... Bon, nous sommes beaucoup trop à découvert ici. Allons là-bas, près de la rivière. Oui, mon colonel. Je pourrais passer la nuit dans le chariot, il serait plus à l'aise. Je commencerai à préparer le dîner dès que j'aurai dételé. Écoutez, mademoiselle, ne vous faites pas de soucis, tout ira bien, je vous assure.
Vous n'êtes pas plus en danger ici que chez vous. Vous avez ma parole. Pourquoi pas votre parole d'honneur? Oui, mademoiselle. Donnez à boire aux chevaux. On ne s'arrêtera pas. On a rendez-vous avec Jim Faraday ici demain matin. J'ai d'autres projets. Si vous voulez le reste de l'argent, vous serez obligé d'attendre l'arrivée de Jim. Il l'a emporté avec lui. Vous n'avez qu'à l'attendre, mon colonel. Salut. De la mitrailleuse Gatling. Surveillez la route. Écoutez-moi bien. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie, c'est que cette femme est du village de Faucon Jaune. Cette indienne et son gosse sont votre assurance vie. Il sait d'où tu es? Dites-lui que je vais proposer une affaire à Faucon Jaune et qu'elle ne s'inquiète pas. Le Sud est sûrement fier d'hommes comme vous. Regardez la route. Rien à signaler. Merci. Vous pourriez peut-être remettre en ordre tout ce que vous avez dérangé. Oui, oui, ils vont le faire. Et vous repasserez par ici, monsieur Faraday? Peut-être. Les affaires marchent bien ici. Oui, très bien, en effet. La ville s'agrandit sans arrêt. De quel côté allez-vous maintenant? Je vais retrouver mon partenaire vers Lawrence. Vous allez trouver de la différence. C'est le jour et la nuit. Lawrence est une ville morte comparée à la nôtre. C'est terminé. Très bien. Merci, messieurs. Si vous avez besoin de nous, on est avec Kelso. Bien, monsieur. Allez. Est-ce que monsieur Kelso est là? J'ai un message très important pour lui. Je le lui donnerai. Ben, je regrette, c'est confidentiel. Suivez-moi. Et c'est pour vous. Et en plus, j'ai d'autres nouvelles, des bonnes nouvelles. Richmond et Petersburg ont été évacués. Général Lee et son armée battent en retraite. Eh bien, ça, voilà une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Apprenez qu'à la suite de l'enquête sur James Faraday de Boston, qui était commandant dans l'armée du Nord, celui-ci a été tué à la bataille de Yorktown, voilà plus de 2 ans déjà. Je suppose que l'homme à Baxter Springs a usurpé cette identité pour pouvoir dissimuler la sienne. Allez, dépêchons-nous d'arrêter James Faraday. Mais c'est impossible, Faraday a quitté la ville. Je ne savais pas que vous le recherchiez. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Vous ne m'avez jamais fait vos confidences, je ne savais rien. Quand est-il parti? Oh, ça fait 4 ou 5 heures environ. Vous avez fouillé son chariot? Oui, de fond en comble. Ah, il a dit qu'il allait à Lawrence, on pourrait essayer de le rattraper en quelques heures. Non, il n'ira pas à Lawrence. Lieutenant, avez-vous un homme qui sache relever les traces d'un chariot? Moi, je pourrais, mais pas la nuit. Nous attendrons. Je veux 12 hommes qui soient prêts à partir à l'aube. Vous les aurez. Thank you.
Tout, à part des bouteilles. Demandez à un de vos hommes de ramener ce chariot à Baxter Springs. Ross! Attention, la prochaine fois, ce sera le visage. Un autre chariot s'est déjà arrêté ici. Et un cheval, probablement celui de Faraday. Il a dû aller à la recherche du chariot. Il y a combien de temps? Vous pouvez le dire? Non, mais je peux suivre la trace. S'appelle l'arme Gatling et vous pouvez dire à vos guerriers qu'ils la verront tirer 250 balles à la minute aussi rapidement que la pluie tombe du ciel. Belinka, Ateya, Bialto, Batahayitso, Nagalim, Pakalgo. J'ai averti mes hommes. Maintenant, faites l'expérience. Nous saurons si cette arme vaut son prix. Vous vous rendrez compte dans une minute. Regardez-la. Ah. Une balle d'un de vos propres fusils. Elle marchera dans cette arme. Ça vous donnera la force de 10 tribus. Tout le monde craindra Faucon Jaune. À moins que les autres se la procurent aussi. Non, il n'y a que 4 de ces engins sur Terre et c'est le seul qu'il y ait dans l'Ouest. Atiat Pialto, Edigo, Kochi, Ehihai. Très bien, nous attaquons Fort Smith. Allez, bonne chance. Vous aurez en plus 6 sacs d'or, 4 000 de vos dollars en or, si vous acceptez de venir avec nous. Non, 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 c'est pas ma guerre. Surtout juste pour 4 000 de plus. À l'intérieur de Fort Smith, il y a plusieurs fois 4 000 $. Tout est à vous, si vous venez avec nous pour faire marcher cette arme. Comment savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur de Fort Smith? Mes éclaireurs l'ont vu. Avec les munitions du fort et cette arme, beaucoup de tribus se joindront à Faucon Jaune. Non, non, même avec cette arme, il vous faudra davantage de guerriers. J'ai des amis dans d'autres villages. Les Oglala, les Minikonju, les Osage. Ils viendront tous à notre appel. Si je me joins à vous, ce sera pour une attaque seulement. C'est d'accord. Et je veux une escorte jusqu'à la frontière de votre territoire quand je partirai. C'est d'accord.
Affaire conclue. Quand allons-nous partir? Nous partons à l'aurore. Signal de fumée sur la colline, mon lieutenant. D'ici, oui, Manning. Parti ce matin avec l'arme. Ils vont attaquer Fort Smith. Et venez, venez vite. Oh, attendez une minute. C'est le chemin le plus court pour Fort Smith. Ce n'est pas là que nous allons. Je vais vous ramener près de Baxter Spring. Ensuite, je repartirai vers le sud, si je peux traverser les lignes nordistes. Mais nous devons les prévenir, on a encore assez de je temps. Je ne m'intéresse pas à Fort Smith. Vous vous intéressez à la mitrailleuse. Et après Manning, n'est-ce pas? Je retrouverai Manning un jour ou l'autre pour régler mes comptes avec lui, ça j'en suis sûr. Vous n'acceptez pas de faire la paix? Non, puisque vous laisserez mourir ceux qui sont au fort. Je ne peux pas y faire grand-chose. Vous pourriez les prévenir. Dans mon camp, on ne considère pas que c'est une action noble de sauver des Yankees. Mais ne pouvez-vous pas les considérer seulement comme des êtres humains? Je le pourrais, je suppose. Mais ça ne me serait pas facile. Ce sont des hommes de la même espèce qui ont brûlé ma maison à Atlanta et tué mon frère aîné. Et savez-vous ce qu'ils me feraient au Fort Smith si j'accomplissais cette noble action que vous aimeriez me voir faire? Ils me fusilleraient comme espion. Je crois que vous avez raison. Dans une guerre, il faut choisir son camp. Oui, et 4 ans de guerre, c'est plus qu'il n'en faut pour apprendre ce que c'est que la haine. C'est ce que vous avez dit vous-même. Il n'y a pas tellement de différence, malgré tout, entre nous. Et un jour, peut-être, nous arriverons à nous connaître mieux. Oui, peut-être. Un jour. Allez, il est temps de dormir. Vous êtes bien une Yankee. Vous voulez tout le territoire pour vous. Voilà la frontière entre le nord et le sud, et tâchez de la respecter.
Debout. Lentement. Prenez-lui son arme. Je n'aime les insurgés que quand ils sont morts. Monsieur Kelso et moi avons le même point de vue, mais différemment orienté. Où est la mitrailleuse? Ne vient-il pas de me fouiller? Faucon jaune a cette arme. Manning la lui a vendue. Ils vont attaquer Fort Smith. En partant tout de suite, on pourra peut-être les sauver. Sloane, Thomas, alertez la garnison de Lawrence. Le fort aura besoin d'un grand nombre de soldats. Faites accompagner Mademoiselle Curtis par vos hommes, afin qu'elle n'assiste pas à ce carnage. Car une fois encore, cela ressemblera à Atlanta que vous tous, braves soldats Yankees, avez mis à feu et à sang. Cela vous est probablement indifférent, Faraday, mais au Fort Smith, il n'y a pas que des soldats Yankees. Il y a aussi leurs femmes et leurs enfants. Surveillez le terrain du haut de la tour et tenez-moi au courant de tout ce que vous repérez. Oui, mon colonel. Le fort se trouve de l'autre côté de la colline. Il tire avec la mitrailleuse. Monsieur Kelso, donnez-moi le fusil de Monsieur Faraday. Que vos hommes ne soient pas en vue. Ne tiendra plus longtemps. Ce qui reste encore.
Je veux un homme qui m'accompagne pour nous emparer de cette arme. C'est notre seule chance. Je suis prêt à venir avec vous. Nous nous servirons de couteau, si on peut arriver assez près de Manning. On le liquidera. Et on arrêtera la mitrailleuse. Il est probablement le seul à savoir s'en servir. Il n'est peut-être pas le seul. Je crains que votre jambe soit encore très fragile. Laissez un de mes hommes vous remplacer. Merci, mais c'est à moi de le faire. Alors, rampons doucement par différents côtés. L'arme est protégée par les rochers. Déployez vos hommes derrière la crête, mais en silence complet. Si jamais ils nous repèrent, nous ne pourrons plus jamais approcher de cette arme. Entendu, mon lieutenant. Cachez-vous. Osage et les Mini-Konju viennent rejoindre Faucon Jaune. Peut-être un millier, peut-être plus. Mon colonel, un signal du commandant Dawson. Il attend derrière la colline. Signalez-lui d'attendre les ordres. C'est tout. Oui, mon colonel. D'attaquer.
Voilà, sergent, vous la livrerez à l'arsenal d'Indianapolis plus tard. D'où êtes-vous, monsieur? James Simon, engagé volontaire en Géorgie. Le hold-up du train était du bon travail. Très bien réussi. Sergent, faites rapidement porter cette mitrailleuse à l'intérieur du fort. Monsieur Kelso, j'espère que vous prendrez en considération la conduite de James. Je n'ai jamais aimé être juge, mademoiselle Curtis. Nous avons appris à Baxter Springs il y a quelques jours que Richmond et Pittsburgh étaient tombés. L'armée du général Lee se retire. Dans une semaine ou plus, la guerre sera finie. À ce moment-là, vous serez jugé par le tribunal militaire. Si toutefois, vous n'êtes pas parti. Avez-vous des projets, je veux dire? Je vais rentrer chez moi pour réparer la maison et ensuite je voyagerai vers l'ouest, je crois. À côté de Baxter Springs. Ma première étape. Nous avons des points de vue encore différents. J'espérais que ce serait votre dernière étape. L'avant-dernière. Vous aimerez Atlanta.